t'aimes nos vidéos, pense à mettre un petit commentaire et un pouce bleu, ça fait plaisir. Tu peux aussi t'abonner et pense à mettre la petite cloche pour être notifié de chaque nouvelle sortie. Partage la vidéo. C'est bon les cookies. Et bien sûr aussi tu peux nous faire un don pour nous soutenir et aussi un petit peu parce qu'on aime l'argent. Bref, nous on est en live sur Twitch tous les mercredis soirs. Bonne vidéo. Et le dernier jeu de ce soir, quel est-il ? J'ai nommé, je vois que Mathieu se prépare, La Juste Estimation. Et La Juste Estimation, on va prendre un petit peu notre temps ce soir, hein. on a encore des choses à voir. Donc La Juste Estimation, Mathieu, je propose qu'on regarde les règles du jeu. Oui. Eh bien c'est parti. La Juste Estimation. Vous allez devoir enfiler votre casquette d'expert en estimation. Pour tout ce qui vous sera présenté, vous allez devoir réaliser une estimation. Poids, taille, vitesse, prix, durée, record. Rapprochez-vous le plus possible des bonnes réponses pour marquer le plus de points possible. C'est parti, allons-y, je vous en ai préparé 8. Alors, on va commencer par... Oh bah allez, celle-là, comme ça, voilà. Quelle est, selon vous, la durée du plus long stream sur Twitch ? À l'heure actuelle. Ça se compte en jours. Il y a peut-être eu 72 heures, un truc comme ça. Mais attends, est-ce que par hasard, ils ce serait pas... en cours. Peut-être. C'est pas français. Oui, oui. Ah mince, parce que non. Du coup, est-ce que c'est plus de 100 heures ou pas ? Non. Parce que il y avait... Alors, pour ne citer que, il y avait Futur Radio qui avait fait le défi des 100 heures. Mais c'était en radio. C'était en radio, mais ils étaient en live sur Twitch en même temps. Mais non. Est-ce qu'ils ont fait les 100 heures ? Ils ont fait... Le défi avec les règles de base du défi n'ont pas été réussis, mais ils ont quand même streamé plus de 100 heures au total. En fait, s'ils n'ont pas réussi les défis, c'est que bah, ils alternent les animateurs qui sont à l'antenne. Mmh. Et il y en a un moment qui ne s'est pas réveillé au bout de 50 et quelques heures. Donc du coup, ça fait qu'ils ont foiré le défi en tant que tel, mais ils ont quand même streamé pendant plus de 100 heures. Bon bref, restons sur ton chiffre officiel à toi Mathieu, parce que Futur Radio reste une radio, donc c'est à part. Et donc du coup, combien d'heures on est en combien heure de temps. Combien de temps. Moi, je dirais 36 heures. 36... Oh, je dirais plus quand même. Ouais, une cinquantaine d'heures. Mm-hmm. Tu nous aides pas, Mathieu, pas de plus, pas de moins. C'est... Non, c'est chacun donne son truc. Ok. Donc 36, 50. Clem, tu dis combien? Moi, je dis 72, parce que si ça se trouve, il y en a qui ont duré plus que deux jours. Allez, moi, je dis 84,3. Oh la vache. Alors, donc du coup, c'est un... En fait, c'est un duo de streamers, et il y en a... C'est l'un des deux qui a joué à World of Warcraft. Ah putain. Oh non. Voilà. Donc à lui tout seul, il a fait 44 heures, 44 minutes. Combien ? Et 44 secondes. Ah oui, d'accord. Voilà. Il a battu le record, l'ancien record de 12 heures. Ah ouais, donc en fait, il y a des records. Il va falloir qu'on fasse quelque chose. Hein. Alors 44 heures, ouais, je non, viens, moi, je mais alors pas. Tu trouves une solution. Non, mais il faut qu'on alterne justement, comme en radio. Là, on est large. Donc ça, c'est la première. Ensuite. Quelle est la taille de la plus des plus longues moustaches de chat? Ah, les vibrisses. Oui. Est-ce qu'ils marchent dessus? Non. Non. Ok. Allez, moi, je vais dire 26 cm. Ouais. 26 à Chris. 18. Hein? 18. 18 chez Sœur Patou. 20, ça me semble bien, déjà. Allez, moi. 22. Pardon, j'ai du 32 dans le chat. Ouais, une trentaine, moi. Je lui dis 20, ça... Donc, c'est un gros chat, donc peut-être qu'il y a déjà des grosses vibrisses de base. Ça doit être sans doute un Maine Coon, parce que Maine Coon, c'est ma stock, quoi. Donc là, une trentaine. Ouais. Et ben, c'est Sœur Patou qui est la plus proche, parce que c'est 19 cm. C'est tout. Et la petite chatte s'appelait, je crois qu'elle est décédée, Missy. M-I-2-S-I-E. Voilà, tout à fait. Un petit chaton. Alors... Deux salles, deux ambiances. Quels ont été les plus gros seins du monde? Oui, okay. Ouais. Et c'est une française. C'est pas Lolo Ferrari? Non. Je pensais que c'était elle. Est-ce qu'on est sur une taille en centimètres ou alors avec le bonnet et la lettre? Non, non, en centimètres. Oui. D'accord. Est-ce que c'est du naturel? Oui. Ou est-ce que c'est du oui. Seins naturels. Alors que Lolo Ferrari, c'était pas du naturel. J'ai du mal à me rendre compte en fait. Bah, tu sais, quand t'as le chiffre genre 90 quelque chose, c'est le tour de poitrine. Oui, mais là, du coup, t'as juste un chiffre, t'as pas de lettres. J'ai des chiffres. Ouais, non, y a pas de lettres. Ouais, donc en gros, ça va être quoi, en comme... gros, si vous les mettez les deux bout à bout. Les deux bout à bout, mais rigolo, tu mets pas ça. Pardon. Hein? Debout! Il est con!
Combien ça tabou fait tabou tabou. Voilà. Je sais pas, moi je vais. En fait, je suis pas sûr d'avoir compris comment on devait les mesurer. Ouais, c'est ça. Non, genre, tu les mets bout à bout, tu les colles, tu les colles l'un derrière l'autre. Tu ouais, voilà si tu veux, ouais. C'est-à-dire qu'il y avait deux tétons de chaque côté, puis. Mais... Comment tu fais? Bah, tu les mesures de. Attends, voilà. Tu les mesures de là jusqu'au l'autre téton, tu fais pareil de l'autre côté, tu fais l'ensemble. Ah, d'accord, comme ça, d'accord. Ah, donc tu fais une boule avec. Tu les coupes, ras, et tu les rassembles. Ok. Donc, avec le petit téton de chaque côté en plus. Oh putain, il m'emmerde. Bon, allez, je vous écoute. Ça va être tout noir. Est-ce que tu peux répéter la question? On a perdu Damien. Non, on a pas. Bon, ok, non, moi j'ai compris, très bien. Eh bien, on va dire. Allez, 60 centimètres? Oui. Ok. Et déjà. Déjà 40. Ah, ben oui, mais déjà bon, 40 40 pas plus. Ok. 45 cm. Ok. Ah oui, mais non, parce que je me dis 40, 20, 20, 20, 40. À bah... toi, Clem. Bah ouais, en fait, c'est pas con. Bon, 50 pour dire okay. un peu plus. Ok, bon, alors, vous êtes très très loin. C'est juste ah. énorme. Non. 2m22. Quoi ah, non, mais attends, t'as une photo ou pas? Il y a une photo, mais je vais vous dire. On après. Pourra peut-être pas la montrer. Donc 2m22, donc plus haut qu'un joueur de basket. Ah. Oui. Et j'ai le poids des uns aussi. 35 kilos l'un. Mais non, impossible. Ah oui, d'accord, quand même. Donc, ça vous donne l'aspect un peu... Non mais, après, sérieusement, la dame, elle devait avoir des sérieux problèmes de santé, par contre. Non mais, t'as trouvé ça où? Je n'arrive pas à trouver. J'ai mis les plus gros seins du monde. Bah ouais, moi aussi. Sur Google. Mets le lien dans le chat, c'est pour un ami. Vous allez tomber sur des sites, ça va pas être triste. Ah bah tiens, mais ouais. Les publicités sont bloquées. Oui, j'ai bloqué la pub. Oh, 35 kilos. L'un. Donc déjà, en boost, t'as 70 kilos. Devant, ouais. Putain, les problèmes de santé, de dos et tout ça, j'ose pas imaginer. Ah non, mais quelle horreur. Voilà. Ok, très bien. Bon. Quoi, vous ne savez pas ce que c'est que d'avoir des mi-bars. Ensuite, quel est le clip le plus long du monde? Le clip musical? Ouais. C'est un clip récent? Oui, il y a quelques années, ouais. John McClane. Quoi? Le clip, 12 minutes, je dirais plus. Elle n'est pas avec une brouette. Non, moi je dirais que ça se compte en heures. Et... Parce que pour moi, je pense que t'as des artistes qui peuvent faire des trucs méga longs, mais juste pour avoir le plaisir de faire un truc hyper long. Bah, ça avait fait le buzz. Il y a déjà eu des genre le Nyan Cat 24 heures, enfin je sais pas, sur YouTube. Non, mais un vrai clip sans boucle et tout. Et à l'époque, ça avait fait le buzz parce qu'il a pas été détrôné depuis. Ah ouais, alors attends, on parle quand même pas de Michael Jackson. Non. Ouais. Ah, donc alors si ça a fait le buzz, allez, on va dire 34 minutes. Ok. Mais ça peut être qui déjà? Ouais, il y a les clips de Mylène, nous dit Général. Effectivement. Heures, moi j'ai eu une heure. Est-ce que vous faites des longues musiques, des Daft Punk? 1h20 pour pas tout. 1h20 pour pas tout. Ouais. Pas forcément des très longues musiques, Daft Punk. Ouais. Non, Daft Punk, non. Là, ce serait leur genre de faire des genres de traits, mais non. J'arrive pas à trouver des gros seins, Mathieu, au passage. Laisse-les tranquilles, ceux-là. Alors, du coup, c'est Happy avec Pharrell Williams. Ah ouais? Et 24 heures. Il a fait j'avais dit 24 heures. Ouais. J'avais dit 24 heures. Ah, mais je savais pas que son clip durait 24 heures. Ah ouais, si, ouais. Mais il y a quoi dedans? Bah, je sais pas, j'ai pas regardé 20 000 fois, en fait. la boucle de fin. Because I'm happy. Et ça dure pendant 24 heures. Putain, l'enfer. Alors... Ensuite, quel est l'album le plus vendu du monde? Ah putain, je l'ai su. Ouais, c'est pas Michael Jackson? Ouais, je pense. Mais que attends, c'est une en vente. Ah oui, en vente, ouais. C'est Michael Jackson, ouais, je pense, non? Je pense que ça doit être soit Michael Jackson, enfin dans le trio, je crois qu'il y a Michael Jackson, il doit y avoir Queen, il doit y avoir peut-être bien aussi les Pink Floyd, c'est pas impossible qu'ils soient dans le top. Peut-être Céline Dion avec la musique de Titanic, non? Elle a peut-être fait aussi pas mal de ventes. Non, un album, la musique du Titanic, oui, c'est un single. Oui, mais surtout, elle a fait un album 15 000 fois la même musique. Ah, oui. Qui dure 24 heures. Qui dure 24 heures. Elle a fait un clip. Et qui pèse 35 kilos. Et il dure hyper longtemps, le clip. Alors de... déjà on est bien sur du Michael Jackson. Bah, ça doit être l'album Thriller. Ouais, alors bah voilà, c'est ça. Bah,
voilà. C'est Thriller avec 66 millions. 66 millions à travers le monde. Oh, ouais. Donc la population française. Et ben, vous savez quoi, j'ai toujours le 33 tours. Ah ouais, mais non, mais l'album est génial en vrai. Alors, ensuite, ouais, un peu moins fin. Quel est le plus long étron du monde trouvé? Oh, c'est dégueulasse. Humain? Humain. Oh putain. Ça n'a pas été genre, genre fossilisé le truc? J'ai cru voir l'info. Ouais, oui. J'ai vu l'info il y a quelques mois. Ils l'ont trouvé fossilisé, ouais. Donc ça date, hein. Faut le sortir après, hein, je pense, en vue. Et du il coup, était si... sorti, ouais. Oui, ouais. Oui, il est sous cloche. Genre, je sais pas, une... ah, mais. En fait, j'imagine la grosse crotte enroulée comme ça, là, genre une grosse saucisse. Genre, je sais pas. Ouais. 30 cm. Non, mais imaginez pas l'emoji étron avec la petite crotte enroulée. Hein. Non, mais j'ai mis une image très à propos, du coup. Ah oui. Je sais pas, genre. T'as même 30 cm, faut le sortir le truc, hein. Allez, 30 cm. Ouais, mais enfin bon, si c'est un homme préhistorique, ouais, il a peut-être poussé pendant 3 heures et puis c'est tout. Ouais. Après, il est mort. Ouais. Allez, allez, rien que pour ouais, faire c'est une descente d'organes. Oui, on parle en longueur. J'ai la largeur, mais on s'en fout. T'as le poids. Rien que pour faire chier Damien, je veux dire 29 cm, tu vois, pour pas qu'il y en ait un qui est plus proche que l'autre. Ok. Les autres? À 31, du coup. Oh, ok. J'ai 35 dans le chat. Et Sœur Patou? T'es des enfoirés. Ouais, non, mais vous rigolez, moi j'avais dit 3 mètres. Ça m'a... Ah ouais, non. Ouais, non, mais non. Dans l'exagération, pas tout, toujours. Il se déplace au fur et à mesure, tu sais, pour la corde. 80, parce que ça pourrait être un très fin. Ok. Très long. Okay. Donc on est sur du 20 cm de long. Oh, là, et 5 énorme, cm de largeur. Oh. Et. C'était, alors, d'après les scientifiques, ça daterait, il daterait du 9e siècle et ça serait un caca d'un viking. Ouais, ils sont forts, les vikings. John McLean qui dit j'ai fait mieux. On veut une photo, on veut la preuve. Faut le faire fossiliser, pareil. Momifié. Alors, l'avant-dernière. Quel est. Alors, soit en coût. Vous allez comprendre, soit en coût, soit en durée, ouais. La partie la plus longue. La partie de quoi, hein? Oui. La partie d'échec. Ah oui, en nombre de coups, c'est au UPS, quoi. Ah, d'accord. Nombre de coups, oui. Allez, moi je vais en dire. Cours, en nombre de coups en. Il ou a en vraiment pris la photo de McLean. Allez, je vais dire 368. 368. La photo dans Discord. Ok. Dans la causette. J'ai jamais joué aux échecs, je sais pas combien de temps dure une partie normale et combien de coups dure une partie normale. Donc, tant pis, tu dis un truc au pif. T'as dit combien toi? J'ai dit 368 coups, mais j'avoue que je sais même pas. Enfin, pourtant, je joue aux échecs, mais je sais pas trop ce que ça représente. Ah, je vais dire 400 parce que j'en sais absolument pas. Ah, tu fais les 400 coups? Ouais, je fais les 400 coups. Il y a en heure, hein, aussi si vous voulez. Hein. Pas ouais, 400. Quand Kasparov, en fait, avait par exemple joué contre l'ordinateur, ça durait des jours. Parce que ça, alors, c'est vrai qu'ils interrompaient les parties, mais ouais, non, c'est en heures que ça se compte de toute façon. Partie, c'est 30-40 coups, mais t'es fou, Chris. Si, Willow... Ouais, mais on parle d'une partie longue, hein, donc. Oui, et puis de professionnels et de. Oui, ouais. Ouais. Moi, de 16 heures. Ok. Temps de réfléchir et tout. Ouais, mais qui mange, 20 heures, allez. Ouais. Ok. Oh, bah, 15 ans. Ouais. Alors, on est sur un nombre de coups 269. Ah, quand même. En ouais, sachant ouais, que la règle, normalement, c'est 100 coups maximum. Ah, ça, je savais pas. C'est voilà. Mais à 100 coups près, ah, j'étais dans les chiffres. Ouais, tout de suite. Alors, non, mais... ça a duré ouais, ouais, 20 heures. Ouais, à 20 heures près, j'étais dedans. Quoi. Pour se terminer sur un nul. Ouais. Oh là là. Oh la tristesse. Voilà. Et le dernier, quelle est selon vous la longueur de la traîne de mariée la plus longue du monde? Un kilomètre, je suis sûr. Ah non, je dirais pas kilomètre, mais je dirais quand même... Non. Mais si alors, des princesses, on sait pas où. Petite info en bas de votre écran, c'est une marque française, portée par une française. Mais c'était pas celle de Diana? Ah non, par une française. Ouais. Et c'était une star française. Non. Non, mais c'est une particulière qu'on connaît pas ou c'est une personne connue quand même elle a été connue et pendant un... Pff, ouais, et encore, non, pas sûr. Non, je vais dire, allez, je vais dire 88 mètres. D'accord, ok. Et 300 mètres. Non. 300 mètres.
C'est un record, faut... Alors, je voudrais juste une info, est-ce que c'est quelqu'un d'historique? Non. Ou c'est quelqu'un de... Random. Quelqu'un avec les moyens. Non, c'est arrivé il n'y a pas si longtemps. Hein. Ah, en plus. En termes d'années, hein, c'était pas... Par rapport aux Vikings, oui. Bah, une année... Oh, je peux pas avoir juste une petite année. Ah, donne l'année. Pas pour réfléchir. Hein. Oh, l'année. Oh Bah alors, à peu près. Pas. Non, je peux pas dire l'année. Je sais pas. Il n'est plus l'info. Bravo. Je peux la retrouver. Moi, je vais dire 56 mètres. Ok. Thème, du coup. Hein? Ah oui, je disais 20 mètres. Ok. Ok. Alors, moi, vous êtes loin. Eh, quand j'ai dit 10 km, j'ai dit que j'étais pas loin de là. Et loin. Donc, c'est la troisième dauphine de Miss Prestige National, donc ça reste de France, voilà, qui a porté une robe tout en dentelle. D'accord. Et la traîne mesurait pas loin de 8095,40 m. Donc 8 km. C'est ça. Non. Mais alors, utilité. Elle était roulée en fait. J'ai une photo, je vais voir si je peux vous la mettre surtout sur, Bah non mais c'est vrai que tu peux rejoindre telle église jusqu'à la salle où tu fais le repas juste en suivant la traîne ouais. En fait, tu vois. Ouais, c'est le petit pousset. Voilà, c'est ça. Je vais essayer de vous la mettre vite fait. Archibald 300 mètres entièrement réalisé en PQ. Dans le chat de Twitch, tu as normalement tu as le droit de mettre des liens. Je vais la mettre là. Ah, tu la mets directement dans Wesh. Quand Wesh voudra marcher. Ah, d'accord. Ouais, ça en fait du tissu. 8 km, c'est un poids. Oui, t'as le poids ou pas qui... Non, non je pourrais vous le trouver. Non, le nombre de filles d'honneur, c'est d'enfants d'honneur là, qu'il faut pour porter la traîne derrière de 8 km. C'est hyper long. J'ai pas le poids, c'était en 2017, du coup. C'est la même qui avait des seins énormes. Bah, Prestige, c'est... Alors, meublé, parce que je fais un truc. D'accord. Meublé. Eh bien, écoute, alors, nous avons une commode Ikea à vendre. Ah bon? Bah oui, mais je meuble. Ah d'accord. J'ai une table basse butte à vendre. Ah, attends, j'ai pas entendu pas tout ce que tu disais. Tu peux en mettre la pâtisserie aussi. J'ai un fauteuil, une chaise longue d'extérieur, si ça vous intéresse. Voilà. Moi, je fais ça, franchement, je la fais à 20 €. Elle est en super état. C'est comme vous voulez. Moi, je vous meuble. D'ailleurs, j'avais dit en plus que je ferais un salon dans notre Discord qui permettrait de partager des annonces. Je ne l'ai jamais fait, ce salon. Il faudrait que je le fasse. Comme ça, si vous avez des trucs à vendre, pof, dans le Discord, ça peut être une idée. Ça arrive. Oui, bah, on t'attend. Hein. Voilà, nous attendons. Hop là ! Ça marche pas. Oh là là ! Ah. Si, c'est en bas. Et en fait, c'est roulé sur les chaises et ça continue. Ouais, mais bon, ça donc, sera là. Comme je disais, utilité, aucune.